Confiance, Jack. Bon, allez, nos cartes sont prêtes. Crawford s'est débrouillé pour introduire nos armes dans le chantier. Il dit qu'un type les gardera pour nous à l'intérieur. Il est fiable ? Tu parles de Crawford ou de ce type ? Des deux. On le saura bientôt. Bon, tout est prêt. Brady, préviens-moi quand tu veux y aller. D'accord ? Brady, rassemble ton merdier. Il est l'heure de récupérer notre Goliath. Allez, on a du pain sur la planche. Je veillerai à ce que mon logiciel soit en marche dès que vous brancherez le cerveau. Maintenant, allez chercher ce Goliath. 10 minutes. Rassemblez votre merdier. Encore une journée à bosser pour rien. On a de quoi manger. Pour l'instant, n'oublie pas qu'un accident de travail vient d'arriver. Voilà ta carte. Pas de vague. Comporte-toi comme ces pauvres types obligés de venir tous les jours. On a des nouvelles têtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé à H et à Steve English ? Aucune idée, mon pote, on va où on nous dit. J'aime bien d'avoir du boulot. C'est pas ça qui manque ici. Faites gaffe à vous. Les gardes peuvent vous descendre comme ça. Beaucoup de gardes au chantier ? Nous en l'œil. Mais l'endroit est grand. N'avise pas de tirer au flanc par contre si c'est ce que t'as en tête. On a tous des objectifs. J'espère que Crawford savait ce qu'il faisait en falsifiant ses cartes. Je passe le premier. Si l'alarme sonne, ne m'attends pas. Fous le camp. Il faut quand même admettre qu'il a imaginé un bon plan. Le chantier est bien défendu contre l'extérieur, mais tous ses ouvriers sont contrôlés à mort. Ils n'attendront pas à une attaque de l'intérieur. Et quand ils se rendront compte de ce qu'on a fait, la puissance de feu du Goliath devrait nous permettre de ressortir. Heather craint que le cerveau ne fonctionne pas, mais j'ai confiance en elle. Elle nous a jamais déçus. Allez, c'est parti. Papier. Ok. H, voyons voir. Ok, ouais, t'es au poste 2. À l'âge. J'espère que t'es en forme. Vas-y! Fais attention à ce que tu fais. Montre-moi tes papiers. English, ok. C'est marqué poste 2. À l'âge. Vas-y ! Vivement que cette journée de boulot se termine. Ça va, mon pote ? J'ai encore trop mal d'hier. Je pense à toi aussi. J'espère que le boulot ne manquera pas ici. Tu as le troisième poste ici. Ouais, c'est comme ça qu'on est là. Oui, je trouve pas vrai. Je vais avoir proposé pas mal dans les postes de contrôle. Jackpot. Va voir le contact de Crawford et récupère ton matos. J'ai un plan pour évacuer le chantier. Je vais éviter les victimes civiles dans la mesure du possible. Bonne chance.
envoyer Hôtel à Oscar, sous prière de terminer leur tâche en cours et de se préparer au confinement. Tout matériel manquant sous votre responsabilité sera considéré comme volé et entraînera des poursuites. C'est toi, Brody, c'est ça? Écoute. J'ai fait entrer ton matos comme Crawford me l'a demandé. Je l'ai planqué dans la zone de travail A. Mais on a un problème. Les Norcos ont verrouillé une partie de cette... Il va devoir trouver un moyen d'y accéder tout seul. Attention! J'étais encore gamine au moment du dernier grand procès. Je maintiens que Snipes a été victime d'un coup. Panneau de sécurité. Impossible d'entrer là-dedans. Départ de la navette C dans 10 minutes. Départ de la navette C dans 10 minutes.
d'abord traité au centre d'observation Alpha dans la prochaine demi-heure. Les citoyens deviennent agressifs envers les officiers de liaison et de la PC. Il faut punir les pièces individuelles. Vous faites pas choper par les Norcos à fumer comme ça.